Personnalité historique de la télévision française, Jean-Pierre Foucault serait-il moins sympathique qu'il n'y paraît? Dans une interview accordée à Paris Match, l'animatrice Agathe Le Caron raconte son expérience commune avec l'homme de télévision de 70 ans, avec qui elle devait animer un numéro de l'émission Sacrée Soirée en 2008. Évoquant l'admiration qu'elle vouait à Jean-Pierre Foucault, Agathe Le Caron se rappelle de sa rencontre avec celui qu'elle considérait alors comme, je cite, « son idole ». En le voyant, j'arrive à peine à balbutier trois mots. Il est comme je me l'étais imaginé, bienveillant et sympathique, pour l'instant, explique la présentatrice de 44 ans, avant de se remémorer la suite du tournage. Nous prenons l'antenne. Dès les premières minutes, c'est le cauchemar. Jean-Pierre me pique toutes mes répliques, me coupe la parole. Je me tiens debout à ses côtés, inexistante. Je me sens mal, bête et surtout très seul. Quand la caméra s'éteint, le calvaire prend fin. Mais ma déception est immense, détaille Agathe Le Caron, qui 10 ans après les faits, règle ses comptes avec un monument de la télévision française.